Être rôle modèle, c'est d'être une personne inspirante pour ceux qui nous voient comme étant des personnes qui portent leur voix ou qui partagent leur histoire ou encore qui partagent leur peine. C'est de savoir tracer le chemin pour les autres et d'être un peu la voix des sans-voix. Être rôle modèle, ça amène beaucoup de sacrifices à faire parce que tu n'as pas droit à l'erreur, tu as une grosse pression et c'est hyper pesant. Être une activiste ou quelqu'un qui défend les droits des opprimés, c'est d'être humain. Ces personnes-là doivent plutôt être accompagnées et soutenues et non être abattues parce que tout simplement ces personnes ont porté une voix ou ont porté un combat. J'ai eu l'occasion d'être invitée par le président Emmanuel Macron autour de la table pour déjeuner et échanger sur les droits des femmes, des jeunes filles en Afrique. Et cela a inspiré encore des millions de filles en Guinée, en Afrique, et qui se sont dit « Mais attention, cette fille, elle n'a que 21 ans. » Aujourd'hui, elle est invitée par les plus grandes personnalités pour parler de son combat. Et donc, nous aussi, on peut faire pareil et encore plus qu'elle. Ça permet quand même aux parents de savoir que c'est important de laisser sa fille s'émanciper, de laisser sa fille étudier et de laisser sa fille aussi se battre pour des causes nobles. Moi, j'encourage beaucoup les femmes à se hisser très haut pour se montrer comme des modèles dans nos communautés, dans notre société, pour permettre aux jeunes filles d'avoir le courage de continuer leurs études, d'avoir leur diplôme et d'aller jusqu'au bout de leurs efforts et de montrer qu'elles peuvent y arriver.